vous avez le Kwango, vous avez le Congo central, et voilà, tout ce que vous avez là. Équateur, Sud-Ubangi, Mongala, Ituri, même Ituri, vous voyez, malgré l'insécurité ce côté-là, vous avez le Bazuele, Tchopo 2, et voilà. Tout est là, c'est ce que je dépose. La suite viendra, je m'imagine que dans moins de 2 semaines, tout le travail sera complet. On attendait les listes. On m'a laissé entendre que le décaissement était conditionnement par le dépôt des listes. Maintenant qu'elles sont là, je crois que le début de solution est là. À quel niveau, madame? J'ai pas vu un seul rond atterri dans mes tiroirs. Je suis allé au cabinet, on ne m'a pas montré qu'il y avait des sous là-bas qu'on pouvait détourner. Tout était encore au niveau de la chaîne des dépenses. Nous attendons maintenant que ça sorte. On ne peut pas détourner ce qu'on n'a pas eu. Je le regrette infiniment, mais je ne voudrais pas entrer dans la guerre des réseaux sociaux. Heureusement, vous l'avez dit, c'était envoyé dans les médias. Et vous avez des preuves. Moi, je suis pragmatique et pas prendre des messages qui sont relayés de mauvaise foi, comme vous l'avez constaté, contre le ministre, contre l'inspection générale, contre... Non, je ne suis pas dans ce débat. Moi, je reste pragmatique. Vous avez des preuves et j'espère que ça va aller. Il faut éviter vos histoires des réseaux sociaux parfois. Il y a des choses qui circulent, mais qui ne sont pas vérifiées. Vous avez appris dans d'autres pays, quand vous relayez un message, une information qui n'est pas vérifiée et qui est erronée, on suspend votre chaîne de télévision, on suspend l'organe de presse et c'est lui qui a laissé passer cette information-là. Il est poursuivi en justice. Bon, je ne vais pas aller au-delà. Je ne vais pas poursuivre des individus. Mais le moment viendra où je pourrai le faire. Je suis un individu, je suis un homme avec chair et os. Avec de l'eau, avec du sang, je me sens parfois vexé. Mais pour le moment, j'espère que les autorités prendront la mesure de la chose. L'important, c'est de payer ces bénéficiaires qui attendent.